Bonjour les amis, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour la soluce du sanctuaire de Joshizu. Jamais sûr de la façon dont je prononce. Donc avant de pouvoir boucler ce sanctuaire, on se retrouve ici, je vous montre sur la carte. Je zoome. Et on va aller, on parle à ce golem. Nous explique qu'en gros il faut résoudre l'énigme pour pouvoir avoir accès au sanctuaire. Donc on voit trois losanges ici. On a bien compris qu'il va falloir faire un truc que je déteste. Alors là, il y a de l'eau forcément. Hop, allez, on récupère. Vous avez vu qu'ils sont de tailles différentes, donc je pense que celui-là, il va aller facile. En premier réceptacle, mais les autres, il va falloir jouer du lance-flammes. Facile, ouais, voilà. Bon, le premier, il va facile. Donc ça ouvre, hop, ça fait descendre le premier. Je pense que quand les trois seront descendus, ça doit être derrière. Bon, bref. Gentiment aller chercher le deuxième et voir ce que ça donne avec le lance-flamme. Si je dois m'y reprendre à plusieurs fois, n'inquiétez pas. Hein. Emprise, il n'a pas justement son emprise, elle est vraiment limitée. Je pensais qu'à un moment ou à un autre, on allait pouvoir augmenter sa portée. Ça semble pas au bout du jour, donc c'est dommage, hein. Pas pour moi. Bon, allez, c'est d'être raisonnable. Utilisation du lance-lame, pas gagné. Non, si j'ai pas déjà trop fait. Ouais, c'est bon. Pour le troisième, je suis moins inquiète du coup parce que c'est un petit. Donc je pense que j'arriverai à arrêter à temps. Allez, on va chercher. Le dernier bloc. Une classe. Aussi l'intérêt quand vous voyez, vous savez, des fruits de feu, de gel, d'eau, de les prendre tous, parce que si vous retrouvez là sans quoi que ce soit pour faire du gel, ça peut être un peu problématique. Remis le lance-flamme là-bas. J'ai appuyé. Ah, c'est vous, vous. Ah, je les adore, mais alors des fois, le masque, toute la vue. Voilà. Allez. Ça devrait rentrer. Ou c'est encore trop gros? Voilà, ok, j'ai eu peur un moment. Donc les trois se baissent. Ah, et tout simplement, il apparaît au-dessus. Allez voir. C'est une bénédiction s'il y a quelque chose à faire.
frère. En commentaire, quelqu'un qui me demandait où se trouvaient les fleurs radieuses. Il y en a énormément sur les îles célestes. Il y en a parfois, enfin, il y en a partout où on trouve de la technologie Soréo, quoi. Soréo, Sono. Pardon, Sono, basse. Ah là là. Sono, Sonéo, Sono. Comme vous voulez. En tout cas, c'est pas Sheikah, c'est sûr. Allez. On va voir si c'est une bénédiction. Donc c'est une bénédiction. Donc voilà, je répète, alors le nom du sanctuaire, c'est... Alors ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Xoti. Ça n'a rien à voir avec le nom que j'ai donné. Donc, c'est Jotixi. J'invente totalement les noms des sanctuaires désormais. Donc, c'est Xotixi et il y a une petite énigme à résoudre. Donc, si cette vidéo où je dis n'importe quoi sur les noms vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye, les amis.